Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire le petit récap VTOX. Vous l'attendiez tant. Et oui, c'est aujourd'hui. En fait, c'était hier. Comment dire? Hier, on nous avait annoncé, enfin, on nous avait annoncé pour la date d'hier, le 27 juin, l'arrivée de VTOX après 5 mois d'attente. On n'y croyait plus. Ça a été déjà reporté une fois. De 2 semaines, mais ça y est, on y est. Donc hier, bien évidemment, je me suis connecté sur la plateforme. Il n'y avait rien. Et c'est, je pense, à 22 h qu'ils ont mis les robinets en route que V2X est enfin accessible. Donc merci à, comment il s'appelle, Fabin Love, d'avoir donné l'info hier en live. Ah, il s'est démené hein, pour qu'on ait accès à la plateforme. Alors ce qui est paradoxal, c'est que quand on est sur Telegram, on demande bah alors des nouvelles de VTOX, est-ce que ça marche pas? Bah Matt peut en témoigner, il s'est fait recaler. C'est absolument incroyable cette équipe. On demande un renseignement et on se fait virer. Alors que des gens qui ne sont pas spécialement pour le zine ou quoi que ce soit nous donnent l'info que la plateforme redémarre. C'est le monde à l'envers. C'est complètement incroyable, c'est complètement loufoque. Donc je voulais parler aussi de. Mais bon, peut-être qu'on va faire ça dans une prochaine vidéo de Tsubomi. Il y a des news. À ce qui paraît, le dernier live a été supprimé. Donc ils sont en train de supprimer toutes les traces comme si le projet n'a jamais existé. D'ailleurs, a-t-il existé, hein? Ça ressemble à une petite arnaque en bande organisée. Bah oui, ils sont deux. C'est quand même. À partir de deux, c'est bon, on peut dire ça. En tout cas, voilà, deux projets un peu similaires où au final, bah, l'équipe est toujours là. On pensait dès le début qu'ils partiraient avec la caisse, mais la plateforme revit. Ce qui est super surprenant, comment KB peut encore mettre de l'argent dans une plateforme fantôme. C'est ce que nous allons voir tout de suite en termes de liquidité, de volume, etc. Alors, avant de commencer, on va regarder. Traditionnel. Bon, la vidéo d'hier qui a pas mal marché avec le Marquis. Alors j'ai vu que vous étiez un peu vache avec le Marquis, surtout avec Christophe. Hein. Ça y est, le nouveau crush. Je pensais que la chaîne allait servir à quelque chose, qu'on allait lever, je sais pas, 100 balles. Non, 29 sur 29 votes, il n'y a aucun qui veut lui payer son aller-retour. Il y a même un simple aller. Il y a quand même 3 personnes qui veulent payer un simple aller. Donc c'est 30 balles par tête. Pourrait ouvrir la cagnotte, mais bon, c'est pas une petite masse critique. À partir de 5, j'aurais envisagé le truc, mais là, vous n'êtes pas assez. Et sur la très grande majorité, vous voyez comment vous êtes. Vous ne voulez même pas donner. Bah, vous êtes 30, vous donnez 3 balles chacun, et c'est bon, le billet d'avion est payé. Mais non, vous êtes comme ça. Bon. Tant pis, c'est partie remise. Je pense que c'est deux loustics qu'on va en entendre parler dans le futur. Mais là, place au show, place au spectacle, place à Vétio. Donc, on va commencer quand même sur la plateforme. Alors, au moins, je m'étais un peu trompé hier. Parce qu'il y a deux sites, il y a vetio.io. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas leur. Ils devraient mettre le lien sur VetioX, sur le. Comment c'est Vetio Scan, Vetio Master, Vetio Wallet, mais il n'y a pas VetioX. Et VetioX, c'est ici. VetioX.io Landing. Ouais, en anglais, en priorité en anglais. Par défaut, c'est en anglais. C'est un peu paradoxal. Il y a quand même beaucoup de Français qui sont sur la plateforme. Je pense pas qu'il y ait des Américains ou Anglais. Bizarre, hein, ce choix de mise en avant. Et on va regarder sur la plateforme comment ça fonctionne déjà. Ou on commence par la news. Non, déjà, on va regarder ça et après on reviendra sur le Facebook. J'ai pris quelques petits captures ici et là sur le Facebook de KB pour voir les petites news. Alors, bon, vite, vite fait ici. Ce qui est bien, ce que je vois, je suis très agréablement surpris. Ils ont corrigé le bug couleur, vous voyez. Rouge quand ça descend et corps noir. Bah, pourquoi ils n'ont pas mis vert? Alors, est-ce qu'on peut changer déjà? Ça, c'est très important. Moi, je suis un peu tatillon au niveau des couleurs. Body vert, border vert, je comprends pas wick, pourquoi c'est pas rouge ici. Last price, je comprends pas. Parce que donc c'est censé être vert. Alors, vous n'allez pas me dire que la bougie montante, le border, le body c'est vert et rouge.
Tiens, si je mets bleu et rouge, je fais OK. D'accord, le corps des bougies n'est pas pour les descendantes. Vous voyez, pour les bou... ah, ouais, pour les bougies rouges, on voit que le corps est plein, mais pour les bougies montantes, c'est juste le. En plus, c'est bizarre parce que ça devrait être border normalement. Si je mets le border en jaune, ça doit être. Qu'est-ce qui devient jaune? Ah oui, on attendait. Non, ça n'a rien fait. Si, ça fait quelque chose. C'est extrêmement bizarre là, on dirait que c'est bleu, là c'est vert. Oh, ça sent pas bon. Attendez, je vais mettre des couleurs vraiment complètement distinctes. Ah déjà là, je suis pas content là ce qui se passe. Ça, on avait gueulé depuis le début, les couleurs, bon sang, mettez bien les couleurs. Très important pour prendre des ordres. Non. Bon bah le corps, on dirait que le corps des bougies est toujours transparent. Incroyable. Dans 5 mois quand même les gars, 5 mois là pour nous faire ça. L'Afrique, on voit toutes les paires qui sont cotées à Afrique, BNB, ils ont du BNB qui cote à 234, BTC, on peut trader le TH. Le Glooky, sacré Glooky. Alors est-ce que sur la plateforme on va avoir des trous de. Alors, des trous de cotation. Alors je voudrais mettre en journalier, je suis en quoi là? Ah, c'est foutraque, c'est foutraque. Comment on met en journalier? Les gars, moi je m'en fous d'une heure. Franchement, je suis pas content. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais c'est pas top leur truc. Pourquoi ils ont pas gardé leur template? On met une heure, ça fonctionne pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pire que Probit, leur machin. Oh non, mais là, je suis pas content. Ah, je suis pas content du tout. Bah voilà, ça a disparu, on ne sait pas pourquoi. Ouais, bon, bref. Après, il y a une petite inquiétude au niveau des retraits, parce qu'il y a Matt là qui veut se barrer FISA. Mais est-ce qu'il paraît, ils ont mis en place plus de sécurité. Donc extrêmement difficile de, voilà, de faire des. Enfin, peut-être de mettre de l'argent, ça doit être facile, mais de retirer. Parce que vous imaginez bien, on vous prend 400 balles, vous mettez sur la plateforme. Vous êtes bloqué 5 mois, vous avez qu'une idée en tête, c'est de vous barrer. Je vous comprends. 400 balles pour certains, c'est beaucoup. Peut-être pour KB, c'est la place de parking, mais 400 balles, tu peux vivre un mois, hein, avec un budget très serré. Je sais pas ce qui se passe. Bon, je sais pas quoi vous dire. J'étais très enthousiaste au vu de la couleur verte, mais au fait, fausse joie. Bon. Ok, poursuivons. Après, bon, là, oula, il reste plus que 2 minutes. On va aller très très vite. Alors, ce qu'ils nous disent. Alors, maintenant, c'est terminé. Donc, à ce qui paraît, ils ont mis la sécurité au poil, l'OTP. Donc, un truc double authentification. Extrêmement. Ils ont rallongé les mots de passe et tout. Ils sont vraiment concentrés sur la sécurité. Mais le problème, c'est trop sécurité. Tellement sécurisé qu'on ne peut plus faire de retrait. Enfin, il est extrêmement difficile de faire des retraits. Donc. On va voir Matt demain, qui nous dit si en 2 jours il a réussi à sauver ses 400 balles, mais je suis un peu inquiet là, au vu de ce que je vois là, il dirait que rien n'a été fait. Maintenant terminé, sécurité, bah, c'est ça, sécurité renforcée sur VTOX Crypto Exchange. Nous sommes ravis d'annoncer que la maintenance sur VTOX Crypto Exchange est maintenant terminée, avec une sécurité renforcée. D'accord, ils ont tout axé sur la sécurité, mais sur les fonctionnalités, l'ergonomie, rien, ils n'en parlent pas. Voici ce que vous attendez de votre plateforme améliorée. Blablabla. Bon, ça c'est pour dire qu'il y a ce soir à 19h, il y a un live Econi Village Panama. Si vous voulez des nouvelles de Panama, vous venez sur mon live plutôt avec GG. Lui, il est sur place, il sait de quoi il en retourne. Ce sera beaucoup plus instructif. Et là, il y a 4 grands événements d'ici la rentrée qui vont impacter très favorablement le cours d'usine. Il serait temps. Parmi ces événements. Deux ont été annoncés publiquement, Mister Z, le réseau de consultants, blockchain, et deux, pas encore dévoilés. Ouais, bon, ça, c'est des petites formes. Bah, ça, c'est bien, il faut. Franchement, ils font passer des formations, genre, tout le monde lutterait pour faire des formations, et de façon cool. Tu te sens un peu privilégié parce que tu suis un peu le projet et tout, et t'es très heureux de payer ta formation alors que c'est un truc banal comment dire, en trading. Ce qui est certain, c'est que le cours actuel présente une très belle opportunité. Tu m'étonnes, John. Et ceux qui souhaitent encore renforcer le portefeuille ou réaliser une très belle plus-value cette année. Ah, c'est le moment.
Selon KB, c'est le moment. La baisse actuelle est due à l'annonce de Jim. Petite cartouche pour Jim, tiens. Allez, balle perdue. Oh, excellent. Mais KB, il perd pas le nord. Hein. Alors que ça baissait depuis. Attends, ça fait depuis l'année que ça baisse. Qu'est-ce qu'il nous raconte, KB? Franchement, il est trop fort. Voilà, c'est la faute à Jim. On l'osait pas dire, mais voilà, c'est acté. Ils sont incroyables. Et il y en a un, Loïc Taboul. Taboul. J'ai regardé sur internet, c'est un nom qui n'existe pas. C'est plus Maboul. Hein. Bonjour, je fais des allers-retours avec le zine. Je dois dire que je suis assez content. Dès qu'il redescend entre 20 et 22, j'en rachète. Et lorsqu'il monte à 24, 27, je les revends. Ouais, bon, sauf que là, on est à 15, 16, quoi. Et je gagne donc entre 20 et 30% à chaque fois, en moyenne. En 6 mois, je suis à plus de 1000 balles de bénéf. Rares sont les cryptos. Sont comme. Les cryptos qui peuvent rapporter autant. Bah, mon petit Loïc, t'es un petit troll. Parce que nous, on connaît un spécialiste, Matt, en l'occurrence, qui travaille au Corlezine. Et avec les faibles liquidités, tu tires pas 10 000 balles. T'es un sacré menteur, mytho, ce que tu veux. J'ai essayé de te contacter, tu m'as pas répondu. Tambouille, tu me. C'est très énervant ce que tu nous fais. Et puis après, voilà, le cours d'usine, bon. On assiste quand même à des courbes, non pas des courbes blancs, parce qu'il y en a un qui m'a dit en erreur, c'est des soldats blancs. Voilà, c'est le terme technique pour dire que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et après, voilà, cours classement d'usine, 786, bon, on attend, sur 20 000. Ouais, ça c'est une bonne prouesse. Bon ben voilà, le VTOX, bon, pour moi, c'est pas absolument pas concluant, on attend Matt pour savoir si on peut se barrer de la plateforme. Et puis voilà, autre joyeuseté. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.